donne tout ce que t'as. Et je te vendrai. On a réussi. Caveau, tu saignes. Ça va aller. Ce qui compte, c'est qu'on a empêché l'attaque. Grâce à ta mise en garde, tu viens de sauver beaucoup de vies. Allez, je vais te ramener à Falaise. Je crois que j'ai une ou deux côtes fêlées. Par la première. Je vais le ramener au village. D'accord. Je dirai à Deka ce qui s'est passé.
L'acide ne lui fera rien. Faut que je trouve autre chose. Bien le bonjour. Que les goûts se gâtent. J'espère que ça sera aussi bon que beau. Alors, tout va bien ? Yann, bonjour. Par enquête de la sagesse des visions. L'adresse dont tu as fait preuve au couloir. Tu as frappé cette rébellion en plein cœur. L'âme de l'étranger n'est pas prête. Nul ne peut en douter. C'est cette étrangère qui a révélé la vérité de Dieu. Honneur et force. Bienvenue, étrangère. Tu peux entrer, étrangère. Ma lame est au service des clés. Honneur et force. Ça va ralentir ma chute. Sur vous trois, toi seul est revenu. Qu'est-il arrivé ?
Kavo disait la vérité. Les rebelles avaient un mastodonte. Kavo a été blessé au combat, mais nous avons empêché l'attaque. Aroké... Il regrette de l'avoir mis en doute. Ton petit-fils s'est montré honnête et plein de courage, Chaplain. Il est loyal envers la plaine. Alors, vous allez le libérer ? Il mérite de sortir. Mais il faudra plus d'efforts pour regagner la confiance de notre clan. Je ferai tout ce qu'il faudra. Merci, Aloy. En effet. Falaise t'est grandement redevable. Accepte ceci en récompense. Merci. Quand tu seras guéri, j'aurai tellement de choses à te montrer. Bon retour parmi les tiens. Attaquer le bosquet. Régala est une traîtresse. Il fait aussi chaud que dans une forge, comme dirait Erend. Tes ennemis sont les nôtres, étrangère. Puisse la campagne de Régala s'achever rapidement. Salut, étrangère. Si seulement ma lame m'avait fait honneur face à Régala. Régala a brisé nos défenses. Mais ça n'arrivera plus. Tu t'es bien battu pour une étrangère. Sois la bienvenue. Les Ténacs te souhaitent la bienvenue. Tu as gagné ta place ici.
championne. Tu viens t'asseoir un moment ? J'ai vu une équipe d'Océram monter leur campement au sud-ouest d'ici. Ils ont de la chance que le chef Ekaro tolère les Orientaux. Sinon, ils seraient déjà morts. Je suis sûr qu'ils ne veulent aucun mal. Je devrais peut-être aller leur parler à l'occasion. Pour voir ce qu'ils font là-bas. Sans le bon creuset, je pourrais pas pirater cette machine. On dirait un campement au Céram. Mais où ils sont tous passés ? Mon focus pourra m'en dire plus. On dirait un campement au Céram. Mais où ils sont tous passés ? Mon focus pourra m'en dire plus.
Il y a des résidus de lume verte ici. On dirait qu'ils forment une piste que je peux suivre. Un océram mort. Et il y a du matériel autour de ce bassin. Ils extrayaient de la lume verte sous l'eau. Je vais détacher délicatement cette lume verte.
Une image de l'ancien monde. Je crois que je vois un bout d'une ville. Las Vegas, peut-être. M'a vu. Je crois que je suis plus à portée du panorama. Je dois réessayer. Vendre cette lume verte. Oh, ces rames qu'on cherchait avec Talana devraient se trouver dans les environs. J'attends toujours que tu me racontes la fin de cette histoire passionnante. Sois la bienvenue, étrangère. J'ai essayé d'escalader un arbre. Et c'était loin d'être évident. J'étais crevé. Mais je pensais au moins être à l'abri. J'ai des nouvelles pour toi, Rocky. Okay. Elles m'ont pourchassé jusqu'au camp. Sale petite machine. Je te conseille de pas t'aventurer trop loin dans le désert. Encore moins au sud-ouest. L'un de nos éclaireurs est tombé sur de dangereux ténacles là-bas. Il a failli y laisser la vie. Merci de m'avoir prévenu. On dirait que les rebelles sont toujours aussi aimables. Je me demande ce qu'ils fabriquent si loin dans le désert.
Faudrait que la sauveuse escalade les grands coups. J'ai envie d'essayer, moi aussi. T'as déjà vu la plaie? Faudrait que c'est impressionnant. Tu te rends compte que t'as dit ça à voix haute? J'ai repéré des rebelles à proximité. Assis me garde, j'ai cru que j'y passais. Toutes sortes de dangers. Talana, contente de te revoir. C'est grâce au passage secret de ta base. La vue est superbe. Un passage secret? Je vous conseille de pas parler trop fort. Vous risqueriez d'attirer un gros paquet d'Océram. Et tu es? Voici Ragurt, un éclaireur de la caravane. Il dit qu'Amadis est passé là. Il a rejoint notre expédition peu de temps avant qu'on entre dans le tunnel. Une fois le camp établi, je suis allé explorer les alentours. J'ai aussi fait des offrandes aux Ténac pour qu'on puisse librement traverser leur territoire. Amadis voulait que je me renseigne sur un endroit qu'on appelle... Kari. Est-ce que tu l'as fait? Ouais, et j'ai pu apprendre que c'était là que les Ténac amenaient leurs prisonniers. Ça se trouve loin, quelque part à l'ouest, près de Marépine, la capitale du clan de la Plaine. Et il s'est mis en route peu de temps après ça. Oh, tout seul? J'ai essayé de le mettre en garde, mais... on peut dire qu'il était déterminé. Est-ce qu'Amadis a parlé de la raison pour laquelle il cherchait Kari? J'ai bien peur que non. C'était un homme de peu de mots. C'est bien son genre. Il avait l'air d'aller bien? Plus ou moins. Il a eu l'air secoué quand il a appris que le tunnel s'était effondré. D'un autre côté, c'était un peu le cap tout le monde ici. C'est toi l'éclaireur du groupe. Tu as vu des choses intéressantes ici? Par où commencer? Au sud, j'ai croisé un trio d'Océram qui essayait d'entrer dans des ruines ensevelies. Ils sont avec vous? C'est eux qu'on a suivis pour arriver jusqu'ici. Et puis, il y a tous les autres qui sont partis une fois arrivés de ce côté du tunnel. Des ferrailleurs, des explorateurs et autres braves aventuriers. Mais vous étiez combien au juste? Trop pour pouvoir nous compter, en tout cas. J'ai également repéré des rebelles il y a quelque temps. Ils avaient l'air de patrouiller dans le désert. On m'a énormément parlé de la rébellion des Ténac à Lance Ardente. C'est la capitale du clan du désert, plus au nord. On dirait que tu connais la zone comme ta poche. C'est mon travail. Merci, Ragurt. Ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Ok, je vais à Marépine. Retrouve-moi. Attends. Quoi? Tu es prête à aller aux confins du territoire Ténac pour le retrouver. Sans hésitation. Bien sûr, il est parti tout seul dans l'Ouest prohibé. Je m'inquiète pour lui. Je suis sûre qu'il y a autre chose. Je te retrouverai près de la capitale de la Plaine. Là-bas, tu devras me dire la vérité sur Amadis. Bien, je me cacherai au nord du village. Ne traîne pas. Si je dois manger du ragoût de sanglier, encore une fois... La route est longue, mais à ce qu'il paraît, ça vaut le coup.
Un ancien tunnel. Je me demande où il mène. Forgus et son équipe ont fini de déblayer les gravats qui bouchaient le tunnel. On doit pouvoir le traverser sans détour. Les chariots doivent contenir le ravitaillement que la deuxième équipe était censée apporter. Porguf a dit que son coffret devait s'y trouver. Du calme. Plus de bruit. Yep.
Ah, elle m'a vu. Des corrupteurs. On dirait qu'on les a dépouillés. Sûrement du Sopazik. Si je récupère ces données, je pourrais le reconnecter au dôme depuis la base. Mais comment je grimpe là-haut ? Je pourrais bloquer une de ces attaques si je les supprime. Thank you.
changement de plan. Je peux me servir de munitions électriques contre cette machine. C'est réglé. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose ici. Mais ces ruines continuent dans l'eau. Je vais pas pouvoir plonger très profondément, cela dit. Il faut que j'aille voir les ruines qui se trouvent sous l'eau. Je peux peut-être trouver des indices.